Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat mal Oustad Mohamed Boukhari. Marhaba bikoum azzay el kiram, azzay el kalimat. Vidéo jdid à la qanatkoum Tarbawiyat mal Oustad Mohamed Boukhari. Ou had el vidéo, inshallah, ghadi khass sabha 55 min kitab Mouta'allim ou Mouta'allima, mes apprentissages en français 6e année de l'enseignement primaire. Ou ghadi khass bdabt la lecture diction. Yani dak nonsous chérie. Donc, l'youma ghadi ndir ma'akoum, wahd el qasida, le titre d'yel haïa, ma citoyenneté, pour objectif de comprendre des expressions imagées, dégager le message de citoyenneté. Toujours dans la deuxième unité, la citoyenneté et le comportement civique, al-muwatana wa al-suluk al-madani. C'est bien. Ghadi nbdaou awalan, bla découverte du poème. D'accord? Je découvre le poème. Aktashifou, yani al-qasida. Quel est le titre du poème? L'unwan dit al-qasida. Donc l'unwan, le titre c'est ma citoyenneté. Donc ma citoyenneté. M'tabiat l'hal ntouma. Ce qu'on formule la réponse. Mais c'est un colon ma citoyenneté directe. Le titre du poème est ma citoyenneté. D'accord. Deuxième question. Qui a écrit le poème? Je collectif a du poème. Donc, je collectif le poème. C'est le poète. Mais c'est Sha'ir. Bel Sha'ir. Fatom Abidi. Fatom Abidi. Donc, suivez avec moi. Fatom. Fatom Abidi. Abidi, c'est. Poétesse, d'accord? Léa, chère, ça fait. Question 3, observe l'image, que représente-t-elle? Donc, on chauffe le sora. Je n'ai pas tout d'achna sora, n'est-ce pas? Tout d'achna raïdia le Maghreb, donc le drapeau du Maroc. Le drapeau du Maroc. Représente, représente le drapeau, drapeau du Maroc, d'accord? Question 4. De quoi va parler le texte? Alors, je vais parler le texte. Donc, on t'avait dit que le texte, la citoyenneté, d'accord? Le texte va parler, sur la citoyenneté. Donc, c'est Y, citoyenneté, d'accord? La citoyenneté. Al-Mouatana, al-Mouatana. C'est bien. Et plus particulièrement, la citoyenneté de quelqu'un. De quelqu'un. D'accord? Maintenant, on va passer pour lire le poème. On joue le S.I. Ça fait. Ma citoyenneté, Mouatanati. Ma citoyenneté me tend la main. Le Mouatanati, elle est que tu as m'enveloppe dans sa robe. Yani, m'ratib wahd tob. Et elle m'incite à défendre ma patrie. Yani, kathatni bash ndafa la blad. La patrie, le blad, est mon identité. Yel huye dieli. Et est mon intégrité. Elle est ma dignité. Yani, le karama dieli. Et il est ma fierté. Ou le fakhr dieli. Ma citoyenneté, le Mouatana dieli, habite dans mes trames. Elle se réveille chaque jour avec mes rames. Ou etc. Ma citoyenneté est mon identité. Ma joie de vivre, de circuler librement dans ma patrie. Les citoyens de chaque pays, sont appelés à épauler. هما مدعوين انهم يسوتونير يعني انهم يساندوا بلادهم اي سيل دو تروي انهم يساندوا الاخرين ان سيتويان واحد المواطن اسي دووا اي سي دووار عنده حقوق وعنده واجبات اون دو لي رومبلير اي لي ريسبكتي سيتادير نحترموهم يعني الحقوق والواجبات لي سوتونير ندعمو اي لي ديفلوبي بور لو بيان دو توس واننا نطوروهم في الصالح ديال الجميع صافي في الصالح ديال الجميع نجاوبوا على لي كاستيون هنايا بروبوزي في لا روبريك جيكوت اي جو كومبرون يعني افهم غادي نجاوبوا في واحد الورقه مستقله هنايا دونك لا روبريك جيكوت J'écoute, j'écoute et je comprends. Et je comprends comme ça. Question 5. Il y en a, que fait la citoyenneté? Je n'ai qu'à dire la citoyenneté. Je n'ai qu'à dire la citoyenneté. Qu'est-ce que tu as dit? Donc, elle tend la main. Donc, elle, elle tend la main. Elle enveloppe aussi l'enveloppe. Et elle incite le citoyen, à défendre, défendre sa patrie. D'accord? Question 6.
Dans quoi enveloppe-t-elle l'auteur? Est-ce réel? Donc, il enveloppe. Donc, enveloppe quoi? Enveloppe avec la main fait dans sa robe. D'accord? C'est bien. Donc, elle enveloppe. Elle enveloppe. Elle enveloppe dans sa robe. Dans sa robe. Est-ce réel? Oui, il est réel. Oui. À quoi incite-t-elle? Il incite à quoi? À défendre ma patrie. D'accord? Donc, c'est donc elle incite. Il incite quoi? Elle incite à défendre. Il incite à défendre la patrie. D'accord? Question 8. La citoyenneté, c'est quoi pour l'auteur? L'auteur, la citoyenneté, c'est son intégrité. Ah, l'intégrité, dignité, fierté, etc. etc. D'accord? Donc, la citoyenneté, c'est son intégrité. Intégrité, sa dignité. Sa dignité. Quoi encore? Sa fierté. Sa fierté, son identité et sa joie de vivre. D'accord? Sa joie de vivre. Question 9. Où habite la citoyenneté et ses réels? Donc, où habite la citoyenneté? La citoyenneté, elle habite dans le fond. D'accord? Elle habite dans le fond. Donc, elle habite dans le fond, aussi dans l'être et dans l'âme du citoyen. Citoyen, c'est oui, il est réel. Question 10. Quel est le devoir des citoyens? Je n'ai pas le de chaque pays sont appelés à épauler leur patrie, etc. Donc, le devoir des citoyens de chaque pays, épauler leur patrie. D'accord? Épauler leur patrie aussi et celle d'autrui. D'accord? On passe maintenant à j'étudie la forme du poème. D'accord? La forme du poème. Avant même d'étudier la forme du poème, on va vous dire comment vous lisez le poème. D'accord? Ma citoyenneté me tend la main, m'enveloppe dans sa robe et elle m'incite à défendre ma patrie. La patrie est mon identité, elle est mon intégrité, elle est ma dignité et elle est ma fierté. Ma citoyenneté habite dans mes trames et se réveille chaque jour avec mes rames. Ma citoyenneté, c'est mon identité, ma joie de vivre, de circuler librement dans ma patrie. Les citoyens de chaque pays sont appelés à épauler leur patrie et celle d'autrui. Un citoyen a ses droits et a ses devoirs. On doit les remplir, les respecter, les soutenir et les développer pour le bien de tous. Ça va? J'étudie la forme du poème. Quel est le nombre de strophes de ce poème? Donc, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y en a 6 strophes. D'accord? Donc, il y a combien? 6 strophes. Question 12. Quel est le nombre de vers? Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, 24 vers. D'accord? Ça va? Question 13. Un quatrain est une strophe de quatre vers. Quatrain, il y a de combien de quatrains est composé ce poème? Donc, combien de quatrains? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 quatrains. D'accord? Un quatrain est une strophe de quatre vers. D'accord? Il y a 6 quatrains.
4, comme ça. D'accord? 414. Quels sont les vers qui riment ensemble? Chnahouma, les vers, les houma. Abiyat Shiria, les kayatouna al-qafiyam jmoué. Donc, les vers qui riment ensemble sont les vers du deuxième quatrain. Regardez, deuxième quatrain. Yadi. Les vers, houma kamlin, houma kamlin kayatouna les rimes. Identité, intégrité, dignité, fierté. Et les deux premiers vers du quatrième quatrain. D'accord? Quatrième quatrain, yadi. Les deux premiers, ma citoyenneté, identité. D'accord? Houma kayatouna. Les rimes, d'accord? Donc, tu vois, hein? Les vers du deuxième quatrain, ou les deux premiers vers du quatrième quatrain. D'accord? Passe à je dis le poème, marque les pauses, ma citoyenneté habite dans mes trames et se réveille chaque jour avec mes rames. Souligne dans le poème les mots qui te paraissaient importants pour donner le sens. Donc, les mots les andhom. معنى ou daror خصهم يكونوا في هذا le poème, طبيعة الحال citoyenneté. Il y en a identité. Il y en a la patrie, il y en a pays, etc. etc. Donc, d'abord, je vais vous lire le poème. Vous allez le lire de la manière dont ma citoyenneté me tend la main, m'enveloppe dans sa robe et elle m'incite à défendre ma patrie. La patrie est mon identité, elle est mon intégrité, elle est ma dignité, elle est ma fierté. Ma citoyenneté habite dans mes trames, elle se réveille chaque jour avec mes rames. Ma citoyenneté, c'est mon identité, ma joie de vivre, de circuler librement dans ma patrie. Les citoyens de chaque pays sont appelés à épauler leur patrie et celle d'autrui. Un citoyen a ses droits et a ses devoirs. On doit les remplir, les respecter, les soutenir et les développer pour bien de tous. D'accord? وبهذا غادي نكونوا كملنا لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الصفحه 55 من كتاب المتعلم والمتعلمه ميز ابرونتيساج اون فرونسي لا ليكتور ديكسيون ما سيتويانتي. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.